jour YouTube. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour du tuto Naxxramas héroïque. Et aujourd'hui, notre adversaire sera l'instructeur Razuvius. Razuvius, son premier sort, c'est qu'il inflige 4 points de dégâts sur son pouvoir héros pour 1. Mais Razuvius ne fait pas que ça. Razuvius a d'autres sorts. Razuvius, par exemple, il a une arme. Il a une arme qui est une 10-2 qui tape dans la tête. Et il double les dégâts. C'est-à-dire qu'en gros, il a une arme qui tape à 20 si on n'est pas projeté par un taunt. Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir mettre des taunts pour se protéger de ça. Pour se protéger aussi de son pouvoir héroïque qui pique sévère. Il a des grosses créatures. Donc l'objectif va être de se protéger. Par contre, Azun nous aide. Il a 2-0-7 qui pop au départ qu'on peut récupérer. Donc on récupère 2-0-7 dans notre main. Et qu'est-ce qu'on fait avec des 0-7? Bah, on prend le prêtre et on les booste avec des feux intérieurs, avec des esprits divins, et on en fait devenir des gros monstres qui sont capables de tanker tout ce qu'il faut et d'agresser le petit Razuvius. Alors je vous ai concocté un petit deck low cost. Donc la première chose que je vous l'ai dit, il va falloir booster les créatures d'en face. Nos créatures qu'on va récupérer, donc les 2-0-7. Pour cela, on va changer l'attaque des serviteurs pour que c'est égal à SCPV. Donc il faut deux feux intérieurs. On va prendre deux mots de bouclier pour booster un peu la créature et surtout pour piocher. Des esprits divins, ça c'est très très bon. On a 2-0-7, mais on va avoir besoin aussi, parce qu'elle risque de mourir, de d'autres taunts. Donc j'ai rajouté un porte-bouclier, un gardien Mogushan, des crash vases qui peuvent temporiser. Voilà. Il a une arme, comme je vous l'ai dit, qui fait très très mal. Il faut absolument pouvoir la gérer. Donc pour la gérer, j'ai mis des limons, des marées acides. Après, honnêtement. Si vous avez des forbans, mettez des forbans. Ça fait la même chose parce que c'est une 10-2. Donc il va là, dès qu'il la mettra, il tapera. Hein, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. J'ai mis le Seigneur de la Mort aussi au niveau des taunts. J'ai rajouté des Monuments de Loader. Parce qu'il invoque des Seigneurs de la Mort de ce côté ou d'autres petites créatures, des 2-3 qui peuvent être ennuyeuses. Donc ça permet de les régler. Ensuite, bien sûr, de nouveaux sacrés, c'est du classique. Un petit prophète de cercle terrestre pour faire du soin. J'ai rajouté une lumière des Naru aussi pour faire du soin. Si vous n'avez pas de lumière des Naru, vous pouvez mettre. Moi j'en ai pas. Vous pouvez mettre des soins rapides, par exemple. Petit soin rapide, ça c'est bien. Soin rapide où vous rajoutez un prophète du cercle terrestre. Mais le soin rapide, je pense que c'est mieux. Des châtiments sacrés pour venir clean des créatures, les finir. Cercle de soins, bien sûr, pour faire des gros heals. Clair pour piocher. Plus de lumière, donc ça c'est bien aussi, ça permet de soigner. Si vous n'avez pas, pareil, mettez un deuxième prophète ou des heals rapides. Ou encore un deuxième cercle de soins, donc vous avez des choix. J'ai mis deux visions télépathiques. Pourquoi des visions télépathiques? Alors, ça c'est super parce que si, imaginons, on récupère l'arme de l'adversaire, ça va vraiment être notre objectif. Ben, on a une 10-2 qui tape double, il a quasiment pas de taunt, enfin, je crois qu'il en a même pas, sauf les Seigneurs de la Mort. Donc, en gros, on le défonce. Il a 55 points de vie, on lui met déjà 40. Donc, vision télépathique très très fort. Vol d'esprit dans la même lignée. Pareil, si vous n'avez pas de flamme sacrée, ben, vous mettez un deuxième vol d'esprit. Exactement. Donc là, à peu près, on a un deck qui est à peu près comme ça. C'est avec celui-là qu'on va tenter de défaire Razuvius héroïque. Allez, c'est parti. Ne fais pas attention aux pierres de contrôle mental près de Razuvius. Ok, on choisit le prêtre Razuvius et c'est parti. Alors, clairement. On va suivre les indications qu'on avait données. Donc, la première chose à savoir, c'est que donc il y a les 2-0-7 qui sont sur le board. Qu'est-ce qu'on va garder? On va garder le feu intérieur, ça c'est certain, pour booster. Le Seigneur de la Mort, ça c'est pareil. On va garder le prophète, je pense, pour soigner, genre tour 3, peut-être directement notre créature qui aurait pris quelques dégâts. Donc, voilà. Ok, donc plus de lumière. Est-ce que je l'ai piqué? Moi je pense que je les pique pas tout de suite parce que j'ai pas de quoi gérer l'arme. Parce que s'il me sort l'arme maintenant, globalement il va taper dans la 0-7. Il va taper dans la 0-7 autour d'eux. Et moi, PLS, j'ai plus de taunt quoi. Donc, je vais attendre un peu. Ok, j'ai un taunt. Je pourrais le mettre. Sauf qu'il a son. Je vais plutôt installer le puits de lumière qui pourrait être sympa dans l'avenir du truc. Mais je pourrais quand même aussi mettre le porteur de bouclier et piquer les créatures. Ok, pièce. Et l'arme. Aïe, bam, je prends 20. Aïe, ça pique. Bon.
peut se permettre de prendre 20, mais qu'une fois. Ok, ça c'est pas mal, je pense qu'on va piquer les créatures. Et là on a deux choix. On pourrait faire intérieur, mais je vais pas le faire, je vous explique pourquoi. Parce que si je fais intérieur, genre la 07 du milieu, son arme, il pourrait taper dans la 07 du milieu, celle qu'elle fait intérieur. Et du coup, je me trouve avec une 07 qui ne tape pas, à côté. C'est naze. Du coup, je sais qu'il va taper dans une des deux 07. Moi, ce que je veux, c'est maintenir l'autre. Donc, je vais pas faire intérieur tout de suite, je vais juste me soigner. Alors, je pourrais faire un paf t'es mort. Je pense que là, je pourrais faire un paf t'es mort à la 2-3. Pour éviter qu'elle vienne taper dans ma 07, celle qui reste. Ok, là on a du bol. Parce que son pouvoir héros il tape pas sur une des créatures. Donc au lieu d'avoir une créature à 0, hein, on a encore les créatures qui vivent. Et ça c'est cool. C'est très très cool. Et voilà, on a l'esprit divin. Donc là on a un peu de top deck. Mais bon, sans ça on peut rien faire. La question c'est, est-ce que je me soigne pas d'abord? Est-ce que je soigne pas déjà ma 06? Je pense pas que je le fais. Parce que j'ai envie de jouer le paf t'es mort sur la 2-3. Ou de me soigner. J'ai plutôt soigné la 0-5, effectivement. Pourquoi? Parce que j'ai peur que son pouvoir héros il tue ma 0-5. J'aime bien quand j'ai un peu de vision. Ok, ça me soigne moi. Bon, tant mieux. Enfin, ça me soigne, ok. Donc là, je pense qu'on va. La question c'est, est-ce qu'on soigne ou est-ce qu'on fait intérieur d'abord? Je pense que je vais feu intérieur. Trade et on verra ce qui se passe. Trade dans la 4-4. On va piocher une carte et on pourra soit paf t'es mort la 2-3. Parce qu'il faut faire attention, il y a une baston. Il y a des bastons. Donc si je mets trop de board là maintenant et qu'il me sort une baston, je suis à moitié en PLS. Donc non. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Ma 0-1, je peux pas la sauver quoi qu'il arrive. Je vais faire ça pour éviter qu'il arrive à clean ma créature. Et voilà. Donc là, je suis bien. La baston. Quand on parle du loup, comment dirais-je? Ok. Bon, là, je suis bien parti. Si ça avait été l'autre, PLS. Hein. Clairement. Et là, je soigne la créature. Je pioche une carte. Et est-ce que je re-soigne la créature ou est-ce que je me soigne moi? Je me soigne moi, mais je pense que j'aurais pu soigner la créature aussi pour piocher une carte de plus. Ouais, j'aurais peut-être pu soigner la créature plutôt. Moi je pense que je suis hors de danger là maintenant. Donc là il y a deux choix. Je pense que je vais y aller direct dedans. Je vois un petit coup de pied dans la rue. Me soigner, enfin soigner la créature. Et ne rien faire. Au cas où il y a une deuxième baston. Mais je sais pas si Resolus joue une deuxième baston, honnêtement. Depuis toutes les parties que j'ai fait, j'ai. Ok. C'est pas fou. Ok, c'est pas fou. L'acolyte, très bien. Destrier de la mort. Ok. Ok, il traite direct. Ou soit. Là, je pense que je vais mettre Crash Vase. Il a 3-1 dans la 1-3 pour pas qu'il pioche. J'aurais qu'il pioche un minimum. Et je vais soigner. Bon, voilà. Et je vais attaquer. Et bah, on le met à 26. PLS. Ok, nouveau, ça fait rien ça. Nécrochevalier. Ça, c'est pas mal. Bah, voilà. Très bien. Alors, Nécrochevalier, il détruit la créature qui soit de ses côtés. Or là, 1-3. Ce qui est bien, c'est qu'elle pioche que si on lui envoie des dégâts. Donc là, il va même pas piocher. Là, c'est génial. Le flamme sacré qui marche bien quand même. Et voilà. Et donc là, prochain tour, s'il n'est pas capable de tuer une seule des deux créatures, j'ai la victoire. Et voilà. Ok. J'avais peur qu'il avait la 2-3 qui charge, qu'il puisse me tuer, ma 10-2. Ok, mais c'est gagné. Voilà. C'était une petite partie sympathique. Donc, Razuvius, ça s'est bien passé. Ça peut se passer un peu moins bien. Après, voilà. C'est mon first try. Voilà. J'en ai fait d'autres. Hein. J'en ai fait d'autres. Bien entendu. Voilà. Et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder les autres tutos Nax Heroic. Et puis à très bientôt. Salut!